les fils juste avec le son. Après, enfin, c'est chiant si on n'a pas les petites cinématiques, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Salut Wilje. Salut Mister Tien. C'est chiant si on n'a pas ça, quoi. Parce qu'en fait, à chaque fois, on n'aura que le son. Bisous la VOD, hein. Il y aura pas tous les sons. On a un truc qui doit pas être très loin. Salut les ghosts. On a récupéré une 205. Non, on est sur une 106. Quoi? Oh le bâtard, putain. Il nous fait vraiment passer par des endroits de mort. La flèche approximative. Non, elle est prévisionnelle. On n'est pas venu là pour enfiler des perles, hein, c'est moi qui vous le dis. On est là pour écraser la concu. Alors la conduite clavier, par contre, c'est pas ce qu'il y a de plus fun. Oh, je me mange des trash dégueu. Como avec RTX? Oui, pour votre bon plaisir. Et le mien. Surtout le mien en fait. Et c'est trop dur. Clavier sur NFS, c'est vraiment très dur. Oh le con. Débilos. À 30 mètres de l'arrivée, tu sais. Ça m'est arrivé tellement de fois quand j'étais petit. Allez, où ça dégage? Oh, le jeu il a. Le jeu il a pas kiffé. Tu passais une heure à faire une custom. Ah, oui, non, mais là c'est clair que. Tu pouvais y passer du temps. Merci pour les follow. Bon, on va faire une course de. Comment ça s'appelle là? Une course de sponsor.
Attends, c'est pas un magasin de perf ça à côté? Est-ce que j'irais pas acheter Performance Shop Performance? Je vais acheter 2-3 trucs. Je crois que j'ai assez pour avoir un kit. Genre un kit de suspension ou une connerie du genre. Merde, c'est où? Alors, ça on a déjà. ECU on a. Ça on a aussi. C'est suspension. Suspension on n'a pas. Les pneus. Donc là il faut combien? Je vais prendre suspension. HP Racing. On va mettre chez HP Racing. Oh non, il y a du mieux speed. Je connais rien aux marques. Hein. Autant prendre les mêmes marques. Elle a pas de phare, ta magnifique 106. Malheureusement, non. C'est pas implémenté. Je sais pas comment on fait. En termes, faudrait que je me renseigne vraiment sur... Oh non! J'aurais dû acheter ça. J'ai pas l'oseille. Le weight, je l'ai déjà. Prochain achat, les freins. Merde, putain, c'est où? Non, je vois que dalle. J'avoue, j'ai pas de phare. Je pense que le no phare va être un problème à un moment. Putain, je regarde les messages. Je regarde les messages sur Discord. Ah, mais c'est la même course. C'est le même tracé pour l'instant. Ah mais c'est peut-être le même tracé. Là c'est considéré comme étant une course de sponsor. C'est exactement la même chose pour l'instant. C'est vraiment trop chaud. C'est le même tracé.
Il y a nos diff avec la course d'avant, DSM. Salut Tourion. Merci pour les follow. Allez, ça dégage là. Putain de merde. J'ai peur d'augmenter en fait le handling de la voiture. Parce que déjà que je galère là. Je me dis une voiture qui est encore plus maniable. Avec les inputs clavier, je vais juste péter un câble. Oh, il va pleuvoir. Petit bâtard. Wow, c'est easy ça. Ça se mange. Allez. Joueur man... Je peux pas, les inputs sont pas pris en compte là. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Oh, j'ai gagné 850 balles. Je regarde des messages en parallèle. Subject weather. Quand il pleut. Ouais, ok. Oui, ça va glisser. Quand il pleut, ça glisse. Jusqu'ici, pas de problème. Les styles de conduite font du nos. Oui, ça en connaît. Oui, tu peux aller au test track et drift racing. Ok, c'est bon. En fait, c'est des trucs qu'on n'avait pas lu mais qu'on avait déjà fait. On a quoi à côté? On a un truc de Street X. Nananana. Là, je peux pas aller. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de texture métallique pour l'instant. Et c'est où? Mais c'est où, wesh? Ah mais on rentre là. Attends, mais y a un shop là. Oh, bienvenue à Bayview Body Shop. Tu viens de débloquer les spoilers et les capots. Une manette qui n'est pas reconnue. Non, mais c'est j'ai une manette Xbox. Oh, c'est 300 balles quand même. Ah là 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 là. Ah oh, par contre ça. Ah mais attends, on a tout dispo direct pour la... C'est pas normal ça. OMG. OMG. Oh là là. Ah je suis trop saucé. Mais attends, c'est pas normal qu'on ait tout débloqué là. Ah oui, ok. Donc ça c'est encore bloqué. OMG. Bon, je rappelle que c'est toujours un work in progress. Hein.
Attends, je peux voir genre pour faire une peinture? C'est pas ici la peinture, c'est ça? C'est quand même dommage d'avoir perdu cette grande époque du tuning. Mais non, mais c'est là où le tuning! Ah bah le jeu a crash. Ah bah si merde! Attendez, il y a peut-être un truc que j'ai désactivé que j'aurais pas dû. Que j'aurais pas dû désactiver. C'est si merde, hein. Single Core Affinity. Ouais, on va faire comme ça. C'est la 106 de Jackie, ça. Ouais. Non, mais voilà, ça arrive, hein, ça arrive, hein, ça arrive. Attends, deux, stretch. FMV Way Screen Mode. Stretch, moi ça me va, stretch. On va relancer. J'espère. On n'aura pas perdu de progression. Normalement, j'ai sauvegardé juste avant. Farine de blé n'a qu'à bien se tenir. Mon homme commence à modifier sa caisse. Oui. J'aime bien farine de blé. Bon, des fois, il y a des remarques. Farine de blé. Ah merde. Ah, bah, ça va faire ça à chaque fois. C'est un peu chiant. Hi, I'm Brooke Burke, and I play Rachel Teller in Need for Speed Underground 2. Playing a racer in the game was a lot of Ok. fun. A lot of fun. Ah, c'est bon, je peux les passer à la main. Ça me va. Je sais pas s'il va me prendre en compte. Ouais, ok. On est juste avant. Je vais quand même aller débloquer le magasin. Attends. Ah merde, c'est au-dessus. Je pense qu'il y a plein de trucs sur la carte à découvrir là. Des fois, Farine de Blé, il a des remarques. Challenge everything. Ça crache ou pas là? Non, c'est bon. C'est bien le Single Core Affinity qui a fait. Bon, si vous jouez à ça avec le RTX Remix, vous avez intérêt à avoir un bête de proche, je pense. Mais non, il y a les reflets dans le. Il n'y a même pas ça dans GTA. Enfin, il y a, mais c'est. C'est très limité. Ok. Donc en gros, elle vient de me dire qu'il y a des magazines qui recherchent des caisses tunées. Donc c'est là pour les magazines où il faut avoir, vous savez, le niveau de tuning, le niveau d'étoile acceptable pour emmener sa caisse et dire regardez ma caisse, elle est tunée. On va rien voir. Je vois R. Pardon. Je connais pas le parcours. Là, je fais à la carte. Là, je vois rien. Je suis à que dalle. Je me déplace à la map. Et ces petits bâtards, ils ont des phares. Moi, j'en ai pas. C'est très dur quand tu vois vraiment rien.
Mes trash sont pas dégueulasses même si je vois que dalle. Enfin si, objectivement les trash sont complètement dégueulasses mais... Allez hop, c'est gagné. Jouer clavier en strict, ça doit être un enfer, ouais. C'est un peu relou, j'avoue que c'est un peu relou. J'ai faim. J'ai si faim. Et après, vous demandez pourquoi il y a toute une génération qui a kiffé ce genre de zik. Les habituels 3-6 pour gagner du nos en explo. Il y a un truc que je voulais voir. En vrai, je vais aller derrière. Je vais faire un peu d'explo pour débloquer des trucs là. Je pense qu'il y a un magasin à aller prendre là-bas. Genre là. Voilà, rien qu'à la carte, ça se devine. C'est quoi ça? Bayview Graphic. Salut Bulle. Credit is built with winning. Bon coin. Credit is built with style. Upgrade your ride with this is the wet bar for your ride. Give it some distinction by coating it with some paint. Attendez, comment je fais? Ah mais il y a pas du coup. Parce que là c'est même pas gloss en fait. Je peux même pas voir. C'est pas censé avoir cette gueule là, tu vois. Bye bye toi, ouais, t'en vas. Fais un petit peu de... On fait du rétro gaming, hein. Bon, du rétro gaming boosté, mais... Ah, mais si je change la couleur... Et en vrai, comme ça, elle est incroyable. En vrai. 200 balles. J'ai combien? 1900. Au moins on verra la voiture dans le... Allez. On va mettre des décalcos. Oh là 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 là. Non non non, c'est trop d'argent pour l'instant. C'est trop d'argent. Sinon Perceval en story insta. C'est pas une story, c'est un dump. C'est un dump. Je pense qu'à gauche, là, il y a un truc. Mais je sais plus ce que c'est. C'est pas ouvert. Manque un aileron quand même. Ouais, je sais. Je sais, je sais, je sais. C'est quoi ça? Ah, c'est une course cachée. Ça, c'est complètement une course cachée.
je l'entends, il arrive. Je l'entends arriver, ce bâtard. Ouf. Bon, ça a failli puer du cul, ça. Mes trajets sont dégueulasses. Oh, la bande son, elle est incroyable. Ça, c'est vraiment un truc qu'on peut partir à ces putains de jeux. C'est que sur le choix de bande son, ils ont été vraiment bons, quoi. Tu sentais qu'il y avait pas de... Il y avait nos limites sur le budget. Allez! Et en vrai, c'était pas easy. Hein. C'était pas tout gagné. Le premier NFS Underground qui se voit sur Get Lao. C'est vrai que Charles, j'ai pas joué au premier. J'ai pas du tout joué au premier. Meilleur jeu pour là. Tu le fais tourner comment? Comme les pizzas. Comme ça. Et en vrai, question débile. L'encodage sur ma gueule, ça va ou pas, hein? Je vais laisser comme ça. Avec un tourne-disque. Bah, j'ai mis le CD. Parfait, ok. Là à droite, il y a un truc. On le sait, on le voit, la carte là-dessus, elle trahit. Ah mais c'est juste un parking. Donc là, vous voyez, la personne qui fait le work in progress là-dessus a pas encore changé la texture du parking. En même temps, on s'en fout un peu. Mais... Où est-ce qu'on va aller? Oh, c'est pas le même affichage de texture entre... Ok. Customize et 2D. Ah oui, ok. C'est vrai qu'il y a ça. It sits off the road, just north of the water. Putain, je sais pas où c'est ça. Ah mais j'ai déjà ouvert tout ça. Et là, faut que j'aille faire les magazines. Increase your car star rating. The more bank you earn. Mais non. Each magazine cover increase by... Ok. Ça, je savais plus. On n'a pas une course à faire. Une course de dragster. Vas-y, go. Après, on a pas un truc de perf. Genre là, je vais aller au perf shop vite fait pour augmenter la caisse. Non mais c'est vrai que le GPS, il fait même prendre les raccourcis.
Oh. Après, juste une 106 rose en vrai. Ça va. Hein. Oh là 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 là! Je pensais que tu l'avais déjà surpressé là pour le RTX. Ah non, 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 on fait tourner une version. Une version qui a été. Comment on dit, merde? Recompilé? Oh bah allez, allez, Brembo, Brembo direct. Ah y'a performance, performance. Ça on l'a déjà. Et après il me faut les pneus. Toyo! C'est bon, on a tout. On a tout le T1, je crois. Ah, il a pas encore fait le... Le rétro. Regardez, si je me mets là, il n'y a pas de rétro. C'est trop compliqué. Et tu vois, à l'époque, ça nous dérangeait pas. Enfin, je sais pas si vous avez le même ressenti. Mais tu vois, dans ce jeu-là, ça me dérange pas de me déplacer d'une course à une autre. Yo Musa dans le vocal, merde. MDR. Attendez, j'enlève effectivement l'overlay Discord. Il y a l'overlay Discord. Musa qui a rien demandé à personne. Qui apparaît sur le live en mode bisous. Bisous, c'est moi. On va passer par là. Nanana. Comment muter une VO? Oh là là, comment ça lag de ouf là? Ça lag tellement fort. Non. Je vois rien, je vois rien. Je sais pas si je vais taper un truc. Oh. Quel enfer. Elle est pas passé loin celle-là. Ah, y a quelques petits problèmes encore, hein. On va pas se mytho. On voit pas trop grand chose. Ça va, ça se fait. Sport Compact Scart Cover Opportunité. Un de mes contacts vient juste de m'appeler. Il m'a fait savoir qu'un photographe de chez Sport Compact Car est en ville et cherche pour des voitures chaudes pour le mois prochain. Va à l'étoile. Et je t'appelle pour qu'on ait plus de détails. Ah, les cars chaudes là. Les voitures chaudes. Les voitures chaudes de ta région. MDR. Front flip. Après, il y a peut-être une touche hein, pour activer. Oh, 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 oh.
Ah, je crois que c'est bugué là. Il y a une touche qui a fait crash le jeu. En fait, c'est quand j'ai regardé derrière. Ah oui, là, c'est pas le petit crash là. Là, c'est pas un petit crash. Ça va, ça arrive. Shit happens, comme on dit. Shit happens. Elle a pas aimé le front flip. Hein. Non, c'est quand j'ai fait K. K et B, c'est pour regarder derrière. Le meilleur jeu de bagnole, mais ce n'est que mon avis. Je pense que c'est un très bon jeu de bagnole. C'est ultra arcade, hein, mais... Ah, j'ai cru que le jeu voulait... J'ai cru que le jeu voulait plus se lancer. J'ai vraiment cru que le jeu voulait plus se lancer, mais genre ad vitam aeternam, tu vois. Ok. Oui, on verra ça plus tard. Performance, on a tout. Est-ce qu'on aurait pas... On a un peu dosé, je crois. Comment on voit l'argent qu'on a? 1400. Merde, je suis devant. Et en plus, vous voyez pas les... Vous voyez pas le classement, je crois. Ah. Putain, j'ai cru que ça avait rebug. Est-ce qu'on irait pas au body shop? Là, c'est notre seul body shop. Là-bas. Pour se mettre un petit peu dans le bain, là. Un zéleron, ouais. Vous connaissez, hein. Enfin, faut que ça tune, hein. Ok. Jean-Michel ralentit. Ralentit. Vu que tu peux pas regarder dans le rétro, on verra jamais les adversaires. Ouais, ouais. Je pense qu'on verra pas souvent les adversaires, quoi. Là, ça me coûterait 300. Bon, je vais chanter quand même un peu de chien, faut pas déconner. Si on pouvait éviter que la VOD soit entièrement mutée. On met lequel? Want to quit. Mais non, je veux pas quitter en fait. Déjà, il nous faut un 0-20. Ah bah c'est 0-20 en tous les cas. Merde, mais on pouvait pas tourner. Si tu changes les phares, peut-être qu'ils s'allument. Très bonne remarque. En vrai, Jorgen, j'aime bien. Et le Barracuda. Y'a pas un peu moins gros comme aileron? Mais pourquoi? C'était ouf. Le Barracuda, il est pas mal, hein. Il est assez bas. Après le ghost est chelou en vrai. Sinon, il y a le Whitefire, hein. Plus gros. Hein. J'aime bien le Barracuda, en fait, il est équilibré. Il colle à la voiture. Jorgen, c'est très simple. Ah, Barracuda. Ah oui, mais non, c'est juste les cash. Ah bah carbone, hein.
Oh, c'est laid ça. Ça, c'est pas très beau ça. Non, mais ça va partir sur une grosse prise d'air capot comme ça. Je pense vraiment que là, la VOD, par contre, ça va être un problème. Ça va être presque chiant. Des petites gifs sur le côté, ça lui va toujours bien, la 106. En vrai, attends, 250. Je pense qu'on a moyen de faire un kit un peu complet, quoi. Le capot VVV. Quoi, le capot VVV, c'est moche. Comme ça, tu vois. Sinon, comme ça, ça fait voiture américaine. En vrai, ça, c'est stylé. Ça, c'est trop simple. Ça, je trouve ça trop simple. Magnifique, le VVV. Ça a pas de goût, hein. Ça a zéro goût, en fait. Ah, mais il y a des 0,60. Ah, mais c'est 500 balles. Attendez, on va faire un kit... Faut voir sur quel kit on part en fait. Moi j'aime bien ça. Le truc stag là. On a l'impression qu'elle a... Elle a une bouche qui fait. J'aime bien ça. On a dit Orion. Non, Stag. Ah, mais c'est moche ça à l'arrière. Putain, mais c'est la même. C'est le même Dell. Bon, là, ça me dérange pas trop, tu vois. Ah, mais c'est vrai que c'est dans les courbes globales de la voiture. On va mettre Stag. Donafe, une autre banque. Bon, bah, comme ça, c'est réglé. De toute façon, la faute, quand on va photographier la voiture, on va l'avoir que de devant, donc... Ne me pose pas trop de questions. Regardez, là, on voit... Bon, là, on voit l'arrière, mais... incroyable. Elle est incroyable, ma caisse. Je veux rien savoir. Je veux rien savoir. Si vous avez quelque chose à dire, hein. Voiture à moitié faite, ça colle à l'époque. Oui. Mais il y a un truc là. Graphics. On n'a pas débloqué ça. Ah mais si. C'est juste que quand j'ai le GPS, il veut pas m'afficher les autres points sur la carte. Salut Chagrat. Chelou ta caisse. Comment ça? Dégage! C'est chaud. Eh ben non, le fait d'avoir changé les feux ne change absolument rien. Ouais, il manque plein de props, hein. Les deux FPS qui font mal. Hein. Y a... Alors, ce qui me fume, c'est qu'il y a la lumière dans les arbres, mais il n'y a pas la lumière dans les tunnels. Yeah. Wallet.
tout est stratégique ici. En même temps, vous voulez faire quoi avec des trash comme ça? C'est sûrement la seule personne à rouler au state en Peugeot. J'avoue que... J'ai senti la douille. Dans le virage, là, j'ai... Connard. Ah, connard. Je vais être retourné. Et oui, ils vont pas la bouffer, c'est ça? Connard. S'ils me doublent, j'ai trop le seum. Je lui ai remis en 2-2 là. Je vais me faire karma dans 3 secondes. On va parler des armes là. Allez, bisous. Alors, ce remix, mais en vrai, ça va. Ça va. C'est un très cool work in progress. Je sais pas si on va y jouer un million de fois, mais... Je sais pas si on va y jouer autant de fois que ça, mais... Voilà. Il y a un truc qui pouvait pas foirer, c'était le moteur audio, et ils l'ont pas fait, enfin... Vraiment le... Engine breaking... Break... Quoi? Ah oui, mais je conduis en auto, parce que c'est trop compliqué, après. Il me reste les URL, il me reste double sprint. J'en ai pas un plus près. Ah mais attends. Juste qu'on rigole 30 secondes. Normalement, là-dedans, il y a un body shop. De mémoire, dans le virage, il y a un body shop. Dans un des deux virages, il y a un body shop. Genre, par là? Non. Attends. Ah, ça va être à gauche. Devant le Gemini. Eh. Elle est souvenir... Les souvenirs d'enfance. T'as pas une touche pour les phares? Je crois pas. Regardez, mais je pense pas. Et là, j'ai rien débloqué. Je fous de ma gueule. J'ai combien? Il me reste 380. Ah mais c'est 500 balles les vrais trucs. C'est comme moi avec Half-Life, je connais encore par cœur chaque niveau de jeu. Tu sais que je l'ai jamais fait. Hein. Ah là on a une vraie caisse. C'est dommage qu'il n'y ait pas les grosses lumières de couleur devant les shops.
On voyait bien les emplacements avec. Ouais, bah tout est pas encore mis en place. Hein. C'est, je crois que c'est une. Je sais pas si, je sais pas comment ils sont à le faire. Quoi ? Ce serait une belle découverte rétro gaming. Et oui, mais à l'époque où c'est sorti, j'avais ni la. Putain, c'est fort. J'avais ni la machine, ni le. Enfin, j'avais pas les moyens, tu vois. Genre, c'est tous comme ça. Tu as pas fait le FPS qui a dicté les autres FPS. Non ! J'avais pas les sous. D'accord ? Je déteste qu'on me mette dans les dents de manière. Je suis désolé, hein, là, je vais attraper le callback, mais. Je n'avais ni la machine ni les sous pour acheter ça, d'accord ? Oui, j'aurais bien aimé y jouer. Il y a plein de jeux que j'aurais aimé faire, il y a plein de jeux que je n'ai pas fait parce que j'avais pas l'oseille pour les acheter. Mes darons, ils s'en battaient les couilles. Le seul qui me payait des trucs pour que je puisse des fois jouer un petit peu à droite à gauche, c'est mon ref. C'est H les phares apparemment. Non. Non, non, non. Mais c'est pas grave. Hein. Yo, man, what's up, money? Yo, you got any details of rumors of racing at the stadium? Mais Half-Life, il y a un RTX Remix qui va sortir. C'est dans la vidéo de présentation. Il m'a dit quoi, lui ? J'ai rien compris à ce qu'il a dit. Là. En fait, on peut pas tout connaître, il faut pas tout connaître, sinon on n'a plus rien à découvrir et c'est chiant. Donc, si vous avez un truc qui pour vous est emblématique, ne le mettez pas dans la gueule de quelqu'un en mode « Mais tu connais pas ça ? Mais qu'est-ce que t'as branlé, espèce de pauvre merde ?» Moi, je connais des gens qui sont comme ça, avec les mangas. Non, le jeu est vachement... J'ai l'impression que le jeu, je ne gère pas l'audio. Et c'est très chiant, en fait, quand on te met dans la gueule que t'as pas pu faire ci ou t'as pas pu faire ça quand t'étais petit parce que... Parce que t'avais pas l'oseille, ou parce que ceci, ou parce que cela, ou parce que t'as pas le temps, tu vois. Et quoi, t'as pas vu Peaky Blinders ? Bon, si, moi j'ai vu Peaky Blinders. Mais c'est vrai que t'as des trucs comme ça, tu te dis. Les gens l'ont forcément vu. Bah non. Personne n'a la même culture, et c'est ça qui est bien aussi, tu vois. Hop là. C'est une des raisons, par exemple, pour lesquelles moi je joue pas à LoL. Allez hop là. Putain, j'ai pas pris à droite. Il y avait un beau raccourci là à droite. Merde. Putain. Ma clavier c'est mort. Et c'est vraiment très dur à conduire. Putain, je me souviens encore de certaines courbes par cœur. C'est un truc de ouf. Comment le cerveau il peut occulter trop de souvenirs auxquels on tient ? Enfin, tu me diras, je tiens à ce souvenir, mais genre, me souvenir des courbes parfaitement, genre, ça n'a aucun sens. Je sais pas pourquoi le cerveau fait ça. Ah, ça, je m'en souvenais pas, tu vois. Thank you.
Là, on va se tirer un peu. Je vais faire Most Wanted d'après, c'est mon préféré. Mais j'ai jamais joué à Most Wanted. Qui m'attire pas plus que ça en fait. C'est plus mécanique que dans le cerveau. Non, mais visuellement, je me souviens des lieux. La mémoire mécanique n'est pas gérée pareil que le cerveau. Les souvenirs, je dis peut-être des bêtises. Je sais pas. Oh là, c'est qui est beau. Il y a un truc pas loin. Je crois qu'il y a un shop, genre. À droite après, non? Oh, j'ai vu marqué tacos sur le bord du mur. Ah, sur la carte, je le vois. Enfin, je crois. Non, y a rien là. Ah, performance. Performance. All parts unlocks at Megalo. Parts are also available. Il recommence ça à Megalo. C'est le Turbo Choco. Ce qu'on voit dans le Rediff, on peut trouver le jeu. Non. Là, j'ai plus rien. J'ai même pas un petit turbo. J'ai déjà tout. Je peux t'apporter un début de réponse. L'apprentissage d'un circuit sur un jeu de course demande plus de ressources qu'un souvenir d'un anniversaire par exemple. Tu auras de meilleurs souvenirs pour faire simple. Je sais pas par exemple, enfin ça va être une vraie question, mais est-ce que je vais me souvenir au moment où on va faire San Andreas? Est-ce que je vais parfaitement me souvenir? Cette version n'est pas dispo pour tout le monde, si. Mais honnêtement, Talleyrand, t'as intérêt à avoir une machine de guerre. Parce que là, il met la 4090 en PLS. Oh merde. Et si vous cherchez le jeu qui s'appelle Ryo, faut que vous installiez Omniverse de Nvidia. Faut que vous installiez RTX Remix de Nvidia. Et ensuite, bah, vous allez trouver. Elle est dispo sur Reddit. NFSU2 en version 1.2 est dispo, en compilé sur Reddit. J'ai pas gardé les liens à défaut, mais ça se retrouve assez rapidement parce que au-delà, ça reste. Cette partie-là reste. Tel quel. Moi je m'en fous, je possède une copie du jeu, donc on peut bien me demander ce qu'on veut, je peux vous sortir la boîte en 30 secondes. Et après, vous avez ce mode-là est dispo sur un site, j'ai plus le blaze.
coulé. Ça doit se trouver sur le Discord, ça. Ah, je l'ai, j'ai pas mis les liens sur le Discord. J'ai gagné, là. Bon, vous voulez qu'on continue ou on change de jeu? En vrai, c'est un peu toujours la même chose. En vrai. C'est juste que, bon, bah... Ça fait plaisir aux souvenirs. On va pas se mentir que... Ça fait un peu plaisir aux souvenirs. Roof Scoops. On a des nouveaux toits. On vient de débloquer les prises de toits. Megalo Parts. J'ai pas compris Megalo Parts. Allez, la petite démo. En vrai, faudra débloquer d'autres voitures plus tard. Ah non. 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 Bon, allez, une dernière. Petite dernière. Petite course de drift là. Ah non, c'est du Street X, on va rien voir. Alors oui, mais Ah les bâtards, ma trajectoire. Putain de ta grand. Ils conduisent pire que WAM, c'est un truc de ouf. Hein. J'en ai rien à foutre. Tu me l'as fait, je te le fais. Tiens, toi, mange le mur, mange tes morts. T'as pas moyen d'avoir de belles trages. Merci votre chef corse pour le 26e mois. Attendez, faut que vous me fassiez un remind de faire le squat. Là, mon cerveau, il va... Non ! Je savais plus où j'étais dans le circuit. Faut faire le squat, merci. On veut la sono, les néons dans le coffre. Une dernière et dans 3 heures, bon, c'était la dernière. C'est un peu ça. Trump, t'as checké si on pouvait déjà jouer en coop Salut Zaza, t'as checké si on pouvait jouer en coop déjà ou pas? Sur la démo. Sur serveur public uniquement. Ah. On va se retrouver sur serveur public. Moi je vais être mardi. Moi aussi je vais être mardi. Eh, regardez, regardez, on en parlait de la pub là. Il y a Burger King. Il y a Burger King, il y a Best Buy. Je pense qu'il y en a plein d'autres. Qu'on connaît pas forcément, tu vois. J'ai envie d'aller faire la course de... Si je dis, on switch pour 14h. Il est moins le quart. La URL, je crois que c'est des courses de... Je suis juste à côté, je suis con. Je crois que c'est des courses en plusieurs étapes. Taco Bell aussi. Il y a Taco Bell. On a vu un truc de tacos. Regarde, en face, il y a un truc de tacos. C'est pas Taco Bell, ça.
Tacos to go. Attendez, je fais un petit pips. J'ai trop envie de pips. Je reviens. Pas trouvé de shop de néon écho, je viens de voir en fait. Mais si, c'est les trucs violets, non? Pas les body. Putain, je sais même plus. Putain, tu me mets un doute. Oh là, c'est sur vrai circuit et tout. Ah, mais je me fais goumer. Ah mais frère moine, je me fais goumer. Je sais pas où faut aller. Là, normalement il y a le grand cercle, oh, c'est ça. Bien, je regarde trop la main. Putain, les feels. Oh, les feels de ouf. Y'a quand même des bugs sur la lumière, là. Je sens que c'est pas trop ça. Merde, j'ai pas pris la bon côté. Ils me rattrapent ces bâtards. Je l'entends. Je les entends, ils sont juste derrière. Merci Tokar pour se faire un coucou. Les voitures, elles veulent aussi un peu. Non, non, je pense qu'il y a un manque de texturing. Oh non, là, ça va glisser. Ou alors je sais. Putain, je sais dit, je conduis beaucoup trop bien à mettre de la pluie. Ou alors il va faire prendre au.
aux IA des vrais trages. Non, parce que normalement ils conduisent pas aussi bien là. Là ils arrivent à me suivre là. Je conduis pas de ouf hein, mais par rapport au niveau de jeu, normalement je suis pas mal. Non mais ils suivent tellement ces bâtards. Il est juste derrière WAM. Il va me doubler juste avant l'arrivée, 100%. Même pas en rêve frérot. Allez, ça dégage. Tu prends les trash quand même un peu, ça va. Ouah, mais bah après j'ai pas de manette, j'ai rien, donc c'est vrai que c'est hardcore, mais... Allez, ils sont mal. Non, je pensais que c'était en plusieurs tours. C'est lesquels déjà qui se font en plusieurs? Vous avez genre 3-4 courses qui s'enchaînent. New inventory de Carlotte. As driving. Va au Carlotte quand tu as un moment. Il vient juste de recevoir une nouvelle édition. Nouvelle addition. Bref, ils ont reçu un truc. Celle de fin de chapitre. Ah, y a moyen que ce soit ça. Bah on n'a pas, après on n'a pas l'histoire, on n'a pas vraiment l'histoire vu qu'on n'a pas les cinématiques. Bref, j'avais envie d'y rejouer vite fait. By turning off the stability control for your cars, allow your car to slide and around corners. Ça va, tocard. Il faut que je fasse un squat. Bon, des bisous la VOD. Deux. Ah oui, putain, deux. Go shop habitacle. Mais je sais même pas où c'est. Ah oui, attendez. Attendez, on va s'en trouver un vite fait. Attends. Je sais même pas où il y en a un. Là, comme ça, tout de suite, je sais pas. Je sais même pas si c'est dispo en early game. Les Dragnir. Je sais vraiment pas si c'est dispo en early game. Je pense même pas, en fait. Hein. Hey, yeah, what's up, kid? Yo, got some action for you. Nah, I have a little pinpoint the place, man, but it's somewhere in the stadium area. Crew tells me some easy pickings. Yeah, I'll give you a shout if I hear any more. Later. L'argent. Attends, est-ce que ça, là... Merci Buniakowski pour le 27e mois. On a Body Shop, Carlotte, Performance, Garage Graphics. Yo, le jeu vient de sortir. Non. C'est un mode. C'est lesquels? Dès la première zone, il y a au moins une fois tous les shops. C'est-à-dire que là, il m'en manque un. Mais il est pas jaune. C'est pas les shops jaunes. Putain, je sais pas. On va chercher un peu vite fait. Et là, j'en ai pas trouvé. Je suis sûr que je passe juste à côté en plus. Que l'atelier habitacle. Tu vois, perso, j'ai presque aucun souvenir de Nefesudo alors que le 1, je l'ai pensé à mort. Ouais, mais moi, c'est le jeu que j'ai eu quand j'étais petit. C'est le jeu que j'avais sur la PS2.
Oh. Derrière. Là. Non, graphics, putain. Connard. Je rentre, au moins je le débloque. C'est dommage qu'il n'y ait pas encore le... Qu'il n'y ait pas les trucs un peu métalliques, parce que là elle fait très... C'est mat, mais c'est pas ouf. C'est mat, mais pas ouf, il n'y a pas de reflet, il n'y a rien. J'ai aucune idée d'où ça peut être. Hein. Encore, il y a des trucs très précis où je me souviens. Je fais, ok, ça c'est là, ça je sais que c'est là. C'est une idée sur la position. Bon, au moins qu'on en trouve un. Attends, peut-être là-bas en vrai. Il y a un coin avec un recul. Ah, mais ça c'est un shop, je suis con. Déjà un shop. Je trouve ça cool quand même. Au pire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas y jouer pendant, je sais pas, 5-6 mois. Et le jour où on le reteste, c'est quand ils auront fini un peu le RTX mode, que ce sera... Tu as deux unlock, un par zone. Mais là, je vois pas où il est. Vers les deux ronds, jaune à l'ouest. Ok. Oh, c'est payé en plus et tout. Si t'es payé quoi. Il y a toujours autant de fils à conduire ça. Je crois pas en vrai. Ah si là, au coin à droite, au coin à droite. Ici là. C'est ici, c'est à droite. C'est complètement à droite. Au moment où je suis arrivé dans le truc, je savais que c'était là. Hey, c'est un truc de ouf, mon cerveau il a fait. Mais c'est là. Oh là là, oh là là. Il n'y a pas les couleurs. Ah, regardez, c'est dommage. Ça, ils l'ont pas implémenté encore. On va mettre bleu. On va voir si ça change quelque chose dehors. Ah, pareil, les vitres teintées. Les gens, vous voyez mon emote? Oui. Ça l'affiche pas. Des fois, ça peut bugger. Allez, zoom.